Depuis Fantasmagorie, que le français Émile Coll réalise en 1908, la magie du dessin animé tient à la capacité de métamorphose du trait, multipliant les gags, les surprises, les trouvailles comiques ou poétiques. Norman McLaren, écossais installé à Montréal, se réclama de cette lignée qui remonte aux pionniers français et qui produira essentiellement des films courts. Les prodiges d'Émile Coll ne cesseront d'inspirer de nombreux cinéastes, comme Alexandre Alexiev ou le Hongrois Peter Foldes, français d'adoption. Mais avant ces prodiges cinématographiques de la métamorphose, avant même l'invention des frères Lumière, c'est en 1892 qu'Émile Reynaud inventait le dessin animé en peignant image par image les scénettes de son théâtre optique. Il cherchait alors moins à étonner par des prouesses graphiques qu'à enchanter par des histoires charmantes et fantaisistes. C'est avec Émile Reynaud que naît en 1892 la grande famille des conteurs imagiers, celle qui s'emparera du cinéma quelques années plus tard pour raconter des histoires de toute durée avec des personnages dessinés et peints, animés image par image. Paul Grimaud fait partie de cette famille. Dans les années 40, il a marqué l'animation par ses courts-métrages tels L'Épouvantail ou Le Petit Soldat. Mais c'est surtout avec son long-métrage, Le Roi et l'Oiseau, qu'il inspirera de nombreux cinéastes, français et étrangers. Émile Reynaud, Paul Grimaud, Jean-François Laguillonie, voilà que se dessine une lignée artistique d'artisans poètes. On va la voir s'étoffer, s'enrichir et se prolonger dans les années qui suivent.